Parmi ces produits-là, il y a les produits qu'on appelle les produits systémiques et les produits non systémiques. Alors, c'est quoi un produit systémique? Un produit systémique est un produit, n'est-ce pas, qui pénètre dans le système circulatoire de la plante. Ça veut dire que ça pénètre dans la sève et c'est distribué dans tous les organes de la plante. Tandis qu'un produit non systémique, c'est un produit qui est juste là, en surface. C'est un peu comme lorsque nos grands-mères au village embaumaient souvent le haricot avec l'huile de palmiste pour le protéger des sarançons. C'est un peu comme ça qu'un produit, n'est-ce pas, non systémique agit. C'est juste là, en surface. Ça ne pénètre pas dans la plante. Mais ça ne veut pas dire que si vous prenez le fruit, vous lavez, le produit aura disparu. Il y a toutes les molécules qui s'accrochent, n'est-ce pas? Si vous prenez le fruit, vous épluchez. Là, il n'y a pas de problème. Et là encore, vous devez veiller à ce que vous épluchez sans que votre doigt ne quitte de l'endroit où il y a pour aller sur l'endroit où vous avez épluché, parce que là, vous avez créé une contamination. Donc, lorsque vos plantations commencent à apporter des fruits, vous devez principalement utiliser des produits non systémiques, parce que là encore, c'est moins grave. Le produit n'a pas pénétré à l'intérieur du fruit. Alors, quand vous utilisez un produit systémique, non seulement c'est sur la façade externe du fruit, mais c'est à l'intérieur du fruit.